Rien ne sera laissé au hasard. Le 6 mai prochain, se déroulera, à l'abbaye de Westminster de Londres, le couronnement du roi Charles III. Une huile sacrée a été préparée en prévision de cet événement historique. Celle-ci servira à l'onction du souverain et de son épouse Camilla, la reine consort. Vendredi 3 mars, sur les réseaux sociaux, le palais de Buckingham a annoncé que ce mélange, baptisé le Saint-Crème, avait été béni dans la vieille ville de Jérusalem où, selon la tradition chrétienne, Jésus a été crucifié et mis au tombeau, avant de ressusciter. En marge d'une cérémonie donnée dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, cette huile sacrée a été bénie vendredi par le patriarche grec orthodoxe Théophile III et l'archevêque anglican de Jérusalem, Osam Naoum, selon des précisions apportées par Buckingham et repérées par plusieurs médias, dont BFM Télévision et TF1, ou encore le site spécialisé Histoire Royale. Dans le détail, cette huile sacrée a été concoctée à base d'olives cueillies dans deux oliveraies. Les fruits ont ensuite été pressés en Cisjordanie, dans la ville de Bethléem. Les mêmes ingrédients que lors du couronnement d'Élisabeth II, cette huile bien particulière, parfumée aux huiles essentielles, contient des essences de cannelle, de sésame, de fleurs d'oranger, de jasmin et de rose, relate BFM Télévision. Le palais de Buckingham a fait savoir qu'elle était composée des mêmes ingrédients que l'huile utilisée en 1953 à l'occasion du couronnement de la défunte reine Élisabeth II, qui s'est éteinte au château de Balmoral le 8 septembre dernier. La composition de cette huile repose sur une formule utilisée depuis des centaines d'années, selon le palais. Les festivités en lien avec le couronnement de Charles III se dérouleront du 6 au 8 mai prochain. Le 11 février, un nouvel élément a été dévoilé par le palais de Buckingham, l'emblème du couronnement. Chardon, rose, jonquille et trèfle de couleur bleue s'entremêlent sur un fond blanc, afin de former la couronne de Saint-Édouard dont le fils d'Élisabeth II sera, comme elle en son temps, couronné. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Bakegrid UK.